L'ange numéro 55, Nébaya. Il régit du 22 au 26 décembre. Il est l'ange de la lucidité intellectuelle. Grâce à son énergie, on peut développer une clarté de compréhension qui nous permet d'ajuster notre énergie, nos comportements et maîtriser les désirs et pulsions qui remontent de l'inconscient avec un bon discernement. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Lucidité intellectuelle. Idées claires qui permettent la bonté et la bienveillance. Compréhension par les sens. Ajuste et réglemente les désirs. Harmonisation du comportement. Sens du devoir et des responsabilités. Ouvre le cœur avec discernement. Consolation qui naît de la compréhension. Communique le mystère de la morale à l'intellect. Expérience spirituelle profonde et mystique. Exemple de morale. Conduite exemplaire. Engagement. Aptitude à rectifier sur le plan collectif. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Logique excessive, esprit d'analyse desséchant. Manque de lucidité. Opacité mentale, mensonge, perfectionniste insatisfait, complexe de supériorité et d'infériorité, difficulté à exprimer ses émotions, reniement, négation de tout élan sentimental. Détruit la spiritualité. Agit contre les principes de la morale. Ne s'intéresse qu'aux choses matérielles. Échec, méfiance, opposition, combat les pensées positives, personne capricieuse, égoïste, focalisée de manière excessive sur son apparence et la beauté extérieure et entretenant une harmonie de façade. Manque de gentillesse et d'amour dû à un esprit trop rationnel et à de faux concepts.
Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Consolation. Discernement. Difficulté à discerner le bien du mal. Expérience mystique. Lucidité. Douce pensée angélique.